Kevin se remet à peine de sa rupture avec Camille Rimet dans Plus belle la vie. Il a trouve du réconfort dans les bras des Alexandra, une stagiaire venue faire connaissance avec le milieu de la police. Ils sont au jour, lui en couple, après quelques épreuves pour le jeune brigadier. Mais ces obstacles ne sont rien à côté du calvaire qui, elle, attend. Dans Elle, épisode 4645, diffuse le lundi 24 octobre 2022 sur Elle, antenne de France 3, il est attaqué de toutes parts. En effet, Ariane et Patrick interpellent un suspect dans le cadre de Elle, enquêté sur le braquage des une bijouterie. Ce dernier, bien que gaillard, est emmené en cellule. Mais en lui retirant les menottes, le criminel elle, agresse en lui foutant un coup de coude en elle, étranglant violemment. Boé court à son secours, en le sommant de se rendre. Le brigadier est sonne, mais il souhaite rester auprès de ses collègues, puisque le commissariat est en sous-effectif. Il est chargé de faire alors une patrouille. Il aperçoit une femme se faire piquer un sac à main. Il décide de le pourchasser. Il demande des renforts et arrive dans un parking. Dans le noir, il entend deux coups de feu et il tente de riposter. Mais le fantôme de Jérôme Belesta lui dit non. En tirant, il met un innocent à terre. Il est persuadé avoir fait une bavure policière. Avant le drame, Kevin se confie auprès de Alexandra sur les raisons qui, elle, ont poussé à rester chez sa mère pendant tout ce temps. En effet, après la mort de son père, les deux membres de la famille Belesta se sont beaucoup rapprochés. Il culpabilise alors de la laisser seule. Tia est surprise de cette nouvelle choquée, un potentiel départ. Kevin est bien décidé à assumer son indépendance. Il demande à Emily si une place est disponible à la colocation. C'est, et le cas puisque Fanny ne revient pas avant plusieurs mois. Il raconte à la professeure de sport son angoisse par rapport à son éloignement du cocon familial. Elle pense que Kevin a raison de quitter la maison de sa mère. Elle lui montre elle, appartement. Il décide de prendre le temps de la « reflection ». La suite des aventures des habitants du Mistral est à retrouver dans les prochains inédits de Plus belle la vie, diffuse du lundi au vendredi aux alentours de 20h20 sur France 3. Découvrez Issei le résumé de Elle, épisode 4645.